Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter comment régler votre lunette de carabine pour un usage chasse. Donc pour ceci nous allons utiliser une lunette Soloniac, la 3-12-50, accompagnée des munitions 30-06 Soloniac. Sur ces nouvelles boîtes que vous pouvez avoir actuellement, nous avons décidé de mettre en détail la DRO de la munition. Actuellement nous sommes situés sur un pas de tir 50 mètres, donc nous prendrons la mesure à 50 mètres. À 50 mètres, nous devrons donc être 1,9 cm au-dessus de l'endroit visé. Nous allons du coup passer derrière la carabine. Donc première étape, nous allons aligner l'axe du canon avec la cible. Donc ce que nous allons faire, nous allons enlever la culasse. Nous allons regarder du coup à travers l'axe du canon et essayer de centrer le centre de notre cible dans le canon. Donc là, c'est chose faite. Je vois bien ma cible à travers l'axe du canon. Ensuite, on va regarder dans la lunette et on va venir du coup centrer le réticule par rapport au centre de la cible. Donc là actuellement, ma lunette, mon réticule pointe vers le centre de la cible, mon canon lui aussi pointe vers le centre de la cible, je vais pouvoir faire le premier tir pour avoir de grandes chances d'avoir un premier impact en cible. Donc une fois qu'on aura fait ce premier impact, c'est là où est-ce qu'on va ensuite corriger pour faire notre réglage en 2 balles. Cette opération elle est faisable avec une carabine à verrou puisque je peux voir à travers l'axe de mon canon. Dans le cas d'une arme semi-automatique, vous ne pourrez pas le faire. Vous allez faire du coup la même chose que ce qu'on va faire dans la suite, mais à une distance plus modérée pour garantir une première balle en cible. C'est vraiment la clé du succès, que notre première balle soit dans le carton. Donc maintenant que nous avons l'axe de notre canon et l'axe de notre lunette, donc le réticule qui coïncide tous les deux dans le centre de la cible, ce que nous allons faire, nous allons remettre la culasse, nous protéger et tirer la première cible. Donc maintenant que nous avons notre première balle en cible, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller là-bas sur place, nous allons mesurer l'écart par rapport à l'endroit où nous voulons que la balle atterrisse, et donc on va faire le nombre de clics nécessaires pour du coup avoir un impact là où nous le souhaitons. Donc pour ce faire, on va là-bas avec un règle et on mesure, c'est parti. Donc nous venons de faire notre premier tir et nous avons vraiment de la chance parce que nous sommes déjà dans le rond central, dans le rond blanc central. Ne vous inquiétez pas, c'est juste vraiment un gros coup de chance. Si vous êtes plus loin, ça ne changera absolument rien. D'un canon à l'autre, des fois on arrive à bien centrer ou non. Quand c'est des plus petits calibres, on a du mal à se centrer comme il faut. Là, ça marche plutôt bien. Donc du coup, on a été en cible, on a mesuré, on se trouve 7 mm trop à droite de l'axe, de là où est-ce qu'on voulait être. Et par rapport à la croix, du coup, on se trouve 35 mm trop bas. Donc en l'occurrence, la lunette qu'on utilise, c'est la lunette Soloniac. On est toujours gradué en quart de MOA. Donc du coup, nous allons vous donner un petit tableau qui va vous permettre de calculer, enfin d'avoir les valeurs des clics en fonction des distances et de l'unité de la lunette. Donc nous sommes en quart de MOA, donc nous allons prendre cette colonne ici, et nous sommes situés à 50 mètres. Donc l'intersection des deux va nous donner 3,6. 3,6 c'est quoi? C'est 3,6 mm. C'est donc à chaque fois que je fais un clic, je vais bouger à 50 mètres mon impact de 3,6 mm. Donc là en l'occurrence, pour le gauche-droite, nous sommes 7 mm trop à droite, donc ça va être l'équivalent de 2 clics, puisque 2 fois 3,6 ça va faire 7,2, bon c'est 7 mm, hein, on n'est pas à 2 dixièmes à dire. Et donc ensuite, au niveau de l'élévation, nous sommes 35 mm trop bas. Donc ces 35 mm vont être l'équivalent de 10 clics, puisque 10 fois 3,6, ça nous fait 36. Donc ce sera globalement bon. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir cliquer ces corrections sur la lunette. Alors du coup, nous allons commencer par faire le réglage vertical. Donc pour ce faire, on utilise la tourelle du haut. Sur le dessus, vous allez voir deux lettres, U et D. Le U veut dire « up » en anglais, qui va donc dire « on monte ». Et le D veut dire « down », qui veut dire « descendre ». Donc là, en l'occurrence, mon impact est trop bas, je dois le monter, donc je vais up, je vais tourner dans le sens du up. Je vais donc du coup fermer 10 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc du coup, au niveau de la dérive, eh bien, sur le côté de votre lunette, c'est pareil, c'est encore une fois écrit le gauche et le droite. Donc cette fois-ci, on a un R et un L. Le R veut dire right, qui veut dire droite en anglais, et le L veut dire left, qui va donc dire gauche en anglais. Donc cette fois-ci, notre impact était trop à droite, je dois l'envoyer vers la gauche. Donc je dois cliquer dans le sens left, dans le sens gauche. Donc dans le sens gauche, c'est dans ce sens-là et je vais fermer 2 clics. 1, 2. Donc maintenant que nous avons effectué les clics, on va vérifier du coup si on ne s'est pas trompé. Donc on va tirer une deuxième balle, cette fois-ci comme la première fois, toujours en visant le centre. Normalement, notre balle devrait impacter la croix qui est située 1,9 cm au-dessus du rond central. Donc c'est parti, nous allons vérifier ça.
Alors du coup, on vient de prendre notre deuxième tir et on est arrivé vraiment exactement dans la croix. Donc là, on a un réglage qui est vraiment à la DRO. Donc point visé, c'est le point central. On impacte la croix qui est 1,9 cm au-dessus. Donc nous sommes vraiment réglés comme la table sur les munitions. Donc tout est bon. Vous pouvez avec en toute confiance aller à la chasse et tirer jusqu'à des distances de l'ordre de, alors sur ce calibre 30-06, de 185 mètres, sans avoir à corriger votre tir, votre arme est réglée jusqu'à cette distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre vidéo.